Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, un nouveau guide de téléchargement, cette fois-ci spécial été 2015. J'avais déjà fait d'autres guides de téléchargement, le dernier que j'avais fait c'était un guide spécial Sims 4 au travail. J'espère que vous allez bien, je suis super ravi de vous retrouver pour vous présenter de nouveaux objets. Alors avant de vous les présenter, je tenais à dire que ces objets ont été vérifiés, donc ils fonctionnent, il n'y a pas de problème. Ensuite, les objets viennent principalement de The Sims Ressources, Sims 4 Update, etc., etc., plein de blogs, etc. Ils viennent aussi de personnes que je connais, donc Julien, Orlan et aussi John Sims. Donc ces trois personnes tiennent un blog sur soit The Sims Ressources, soit sur d'autres sites. Je tenais à les remercier d'abord de m'avoir donné leur autorisation pour leur présenter leur contenu. Avant de vous présenter ces objets, je tenais à dire que dans la description il y aura un lien qui permettra de les télécharger tous les objets que je vais présenter. Vous pourrez les télécharger avec un lien dans la description, un lien Mediafire, et c'est totalement gratuit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous retrouve pour la suite où je vais vous présenter les vêtements, les accessoires, les coiffures, le maquillage, etc. pour vos Sims. Nous voilà maintenant dans le mode de créer un Sims. Je vais vous montrer les coiffures, les vêtements, les accessoires et les maquillages pour vos Sims. Alors c'est seulement les Sims adolescents, jeunes adultes et adultes où il y a des vêtements. Après pour les enfants, je n'ai pas choisi de vêtements, bien sûr pour les bambins parce qu'il n'y en a pas. On va commencer directement avec les nouvelles coiffures que je vous présente. Alors hop, la première c'est celle-ci. Alors, elle est un petit peu bourgeoise, je trouve, mais honnêtement, elle est super belle. Comme vous pouvez voir, elle existe en différentes couleurs. Donc, elle existe en rose, en marron, en violet, un petit peu spécial. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Ou encore en rouge, je trouve que ça pète vraiment pas mal. Vous avez aussi d'autres coiffures comme... Je suis en train de les chercher, voilà, comme celle-là. Donc celle-là, elle est un petit peu plus... on est un petit peu plus dans le naturel, mais je trouve que ça peut être une belle coiffure, par exemple, pour un mariage. Donc voilà, dans les couleurs auxquelles elle existe. Donc vous avez du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du rose fuchsia ou encore du bleu turquoise vert. C'est un petit peu spécial, mais je trouve que ça rend bien. Et vous voyez qu'en haut, il y a un petit nœud. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Vous avez ensuite cette coiffure donc qui existe... d'une façon un petit peu spéciale, voilà, donc ouais, c'est celle-là. Donc ça existe en fait en deux couleurs. Croyez pas du tout que c'est un bug, ce n'est pas du tout un bug. C'est vraiment fait exprès, ça existe en fait en deux couleurs. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que ça rend super bien. Surtout dans cette couleur-là, je trouve que le orange et ce rose se marient super bien. Vous avez aussi bien sûr un peu plus naturel, voilà, celle-là honnêtement, je trouve elle est vraiment jolie, je trouve que c'est ma préférée. Donc là vous avez quelque chose ressemblant en fait à ça. C'est un peu la même mais dans d'autres couleurs. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez ensuite celle-là, beaucoup plus décontractée, qui existe aussi dans différentes couleurs. Donc vous avez du marron, du noir, du gris, du marron foncé. Voilà, vous avez vraiment pas mal de couleurs qui sont vraiment jolies jolies. Donc les coiffures, elles viennent principalement de Sims 4 Hair, de Sims 4 Update, et je crois que c'est tout, il n'y en a pas vraiment qui viennent de TSR. Donc voilà, ça vous apporte un petit peu plus de contenu parce que beaucoup de gens téléchargent presque exclusivement que sur TSR. Vous avez ensuite cette coiffure que je trouve elle est vraiment jolie, mais je trouve qu'elle serait plus adaptée à une personne âgée. Et pour finir, une coiffure comme cela. Donc là aussi, très long, très décontracté, vraiment, j'adore. Il y a d'autres coiffures, mais je vous montre, on va dire, en général, il y en a d'autres, sinon. Après, si, j'ai du maquillage à vous montrer. Donc, niveau maquillage, je ne me suis pas trop attardé dessus. Je vais surtout m'attarder sur les objets et les vêtements. Donc en maquillage, vous avez ce petit rouge à lèvres assez sympathique, comme vous pouvez voir, qui existe en plusieurs couleurs. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Je suis en train de regarder si j'en avais téléchargé d'autres, mais je ne crois pas, honnêtement. Ah si, j'ai rien dit. En fait, là, c'est des couleurs supplémentaires pour un rouge à lèvres qui existait déjà. Alors, c'est un rouge à lèvres du jeu de Sims 4 de base. Du coup, si vous n'avez pas la donne au travail, Destination Nature ou autre,
et ben voilà, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que ça pète un petit peu, c'est assez brillant et je trouve que c'est plutôt joli. Donc comme je vous ai dit, je ne me suis pas trop attardé au maquillage. Après, je me suis un peu plus attardé aussi aux accessoires. Avec ce petit collier avec un petit nœud papillon, je trouve que c'est super joli. Et aussi, la base de la base, un sac à main, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien, honnêtement. Ça peut rendre vraiment super bien. Je vais juste choisir un autre Sims, un Sims un petit peu plus mince pour vous montrer les autres vêtements. En autre vêtement, j'ai pris beaucoup de nouveaux maillots de bain. Si vous êtes sur ma page Facebook, et si vous n'êtes pas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description pour me rejoindre sur Facebook et être au courant de mes prochaines vidéos. Donc comme je disais sur ma page Facebook, j'ai posté ça. J'ai posté ça. Donc honnêtement, c'est pas lui, c'est lui. Voilà, c'est lui. Honnêtement, il est vraiment super beau. Je surkiffe. Finalement, je surkiffe. Donc, je vais vous montrer un petit peu tous les vêtements. Donc, corps entier, je dis bien, parce qu'après, il y a encore des vêtements hauts et des vêtements bas. Là, c'est corps entier. Donc, corps entier, je me suis vraiment amusé à prendre vraiment beaucoup de maillots. Donc, j'ai pris aussi des robes assez courtes. Celle-ci, d'ailleurs, comme vous pouvez voir, qui possède un motif fleuri qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Elle est juste magnifique. Donc elle vient à peine de sortir sur TSR. Elle est sortie hier soir à 23h. Donc on va dire que c'est plutôt une petite exclue. J'ai attendu en fait qu'elle sorte. J'arrêtais pas de refresh la page. Bref, donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle est super bien faite. Et vraiment la créatrice ou le créateur qui a fait ça, je le félicite d'avance. C'est vraiment magnifique. Ensuite vous avez ces vêtements là qui est juste vraiment top. Honnêtement j'aime bien les petites formes géométriques qu'il y a dessus. Celui-là, c'est celui que j'avais présenté donc voilà, sur ma page Facebook. Donc, comme vous pouvez voir, il existe en 4 couleurs. Il est juste sublime. Mon préféré dans tous ceux que j'ai choisi, je trouve que c'est celui-là. Il est vraiment top. Regardez, ça, c'est flashy, c'est beau, c'est super bien fait. Honnêtement, je trouve que le créateur ou la créatrice qui l'a fait, je pense qu'il a dû faire un travail de malade dessus. Et honnêtement, il est super parfait, donc honnêtement, je vous conseille absolument de l'avoir. Je l'ai eu sur TSR, il est sorti il y a très peu de temps, donc admettons vous voulez absolument que celui-là. En maillot de bain, dans tous ceux que je vous présente, vous pouvez prendre seulement celui-là. Et puisqu'il est sorti il n'y a pas trop longtemps, normalement, vous n'aurez pas beaucoup de mal à le trouver. Ensuite, vous avez ce maillot de bain-là, donc le motif, je trouve que ça fait un petit peu motif feuille, c'est assez spécial, mais je trouve que c'est très, 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 très joli. Vous avez cette robe, donc motif... encore avec des motifs, donc pierre, cascade, voilà, c'est vraiment très 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 beau. Cette robe à fleurs aussi qui existe en 8 couleurs, donc elle est vraiment top, honnêtement. Moi je dirais, pour par exemple un petit pique-nique, vous voulez faire pique-niquer vos Sims, c'est là que moi je dis qu'il faut absolument prendre cette tenue. Vous avez ensuite cette tenue-là, donc qui est plutôt simpliste, mais qui est quand même très très bien. Pour finir, vous avez cette tenue, donc c'est plutôt abstrait, mais je trouve que c'est quand même très très joli. Il y a encore plein d'autres tenues, mais bon, je vais pas tout vous montrer non plus, quand même, je vous laisse un petit peu de surprise. Niveau accessoires, j'ai pris, alors c'est la première fois que j'en prends, j'ai pris alors désolé, je suis pas une fille, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc qu'on met sur les ongles, là, vous savez, donc j'en ai pris, je crois, deux types, donc vous avez ceux-là. Assez doré, donc dans des couleurs voilà très 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 doré, donc voilà. Et après vous avez cela, alors attendez, voilà, donc là voilà, vous voyez les dorés, alors c'est assez petit, c'est très minutieux à voir, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et ensuite vous avez ceux là qui sont beaucoup plus colorés. Après j'ai téléchargé des collants léopards, des collants donc de peau d'animaux. Je trouvais qu'ils étaient vraiment sympas, donc du coup je les ai téléchargés et je les adore. Et pour finir vous avez celui-là qui est un peu plus galactique et que j'aime bien aussi. En vêtements du haut, voilà ce que nous avons. Donc ça, je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait un petit peu... je sais pas trop quoi dire en fait, mais je trouve que c'est vraiment joli et honnêtement ça rend super bien. Vous avez ensuite celui-là, donc ça c'est un qui est de base, donc il existait dans ces couleurs-là, vous voyez, je vous montre les couleurs. Et là, ceux en noir, c'est les nouvelles couleurs apportées, donc honnêtement, ils sont juste magnifiques, honnêtement, pour l'été. Honnêtement, votre Sims, ils peuvent porter ça tout l'été, c'est juste waouh, vraiment, j'adore. Il y a eu un travail là aussi qui a été fait qui est vraiment magnifique.
Et après, vous avez cela, donc dans d'autres motifs. Motif un peu plus papillon, j'aime bien celui-là avec le chat, il est assez mignon. Et je crois que c'est à peu près tout pour les vêtements du haut, quoique vous avez celui-ci qui est... Waouh, il est magnifique. Il est magnifique, les amis, regardez. Mon préféré, honnêtement, c'est celui-là, whatever. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ce petit haut. En bas, je crois que je n'ai pas choisi de nouveaux objets. Je suis en train de regarder. Ah si, j'ai rien dit. À chaque fois, je dis ça, mais non. Du coup, vous avez un short. Donc, un short, voilà, très été. Honnêtement, celui-là, je trouve que c'est ma couleur préférée. Donc, c'est celui-ci. Bleu jaune, je trouve qu'il rend vraiment bien. Mais il y a aussi celui-là qui est un petit peu bleu turquoise rose, qui rend aussi pas mal. Ou encore celui-là. Donc honnêtement, ils sont vraiment jolis. Vous avez ensuite celui-là. Donc celui-là, je crois qu'il vient du blog Sims 4 Orlan. Je suis pas sûr au cas où, je veux pas dire de bêtises. Mais il est vraiment pas mal. Donc c'est le même en fait, je crois qu'il y a chez Desigual. C'est à peu près tout. Je vais pas vous montrer les autres. En tout cas, voilà ce que nous avons pour les femmes. Et on va maintenant passer de suite aux hommes. Je vous retrouve maintenant pour la partie homme. On va directement commencer avec deux types de coiffures, ou trois, je ne sais plus, je crois que c'est deux ou trois. Donc celle-ci qui est plutôt court, mais pas trop long non plus, qui est vraiment pas mal et qui existe dans différentes couleurs, comme vous pouvez voir. Vraiment, elle est super jolie. Vous avez ensuite une deuxième coupe. Alors, ce n'est pas celle-là, à moins que si. En tout cas, si c'est celle-là, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Je ne suis pas tout le temps dans le mode de Crane Sim, je suis désolé. Donc, ensuite, vous avez. Je suis en train de la chercher, elle est enfin. Donc, voilà, c'est celle-là. Donc, téléchargée sur Sims 4 Update, je crois. J'aime bien le petit truc qu'il y a au bout. Alors, honnêtement, cette coiffure m'a fait penser à. Thomas et enfin le mec de Nabila, je crois qu'il s'appelle Thomas, je sais plus. En tout cas, voilà un petit peu à quoi ça ressemble et je trouve qu'elle est vraiment aussi super bien faite. Niveau accessoires, je n'ai pas choisi de nouveaux objets. Après, niveau vêtements. Alors, niveau vêtements, je me suis un petit peu aussi gavé. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pris. Donc, on va commencer par ça. Très été, comme vous pouvez voir, très coloré aussi. J'aime bien, vraiment, ça sort super bien. Ensuite, vous avez quelque chose de plus traditionnel, un petit polo, donc qui existe en trois couleurs, bleu, rouge et vert. Téléchargé, je crois, sur The Sims Ressources. Et d'ailleurs, il est sorti, je crois, il n'y a pas trop longtemps. Normalement, il est en page 1, alors vous voyez cette vidéo. Vous avez ensuite ce pull, alors pas téléchargé sur The Sims Ressources, je crois, je l'ai pris ailleurs. Qui est vraiment pas mal, honnêtement, il est super joli. Il existe en deux couleurs, orange et bleu, donc j'aurais aimé peut-être un peu plus de couleurs, mais voilà, on peut pas demander la lune non plus, mais vraiment, il est pas mal. Ensuite, vous avez donc deux t-shirts. Ces deux t-shirts, donc celui-ci et celui-là, viennent du blog Singaga, donc de Julien. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc, existe seulement une couleur, mais honnêtement, c'est juste, ils sont juste top, quoi. Vraiment, j'ai surkiffé, vraiment, j'adore. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Je sais plus ce que je voulais dire, désolé, je n'arrive plus à parler. Je vais mettre les liens des blogs auxquels on m'a donné l'autorisation de montrer par exemple ces vêtements-là. Je les mets dans la description, donc normalement vous pourrez les trouver, ces vêtements à part. Ensuite, vous avez celui-là téléchargé sur The Sims Ressources. Alors il y a marqué Adidas, alors je ne sais pas si c'est vraiment un Adidas. Je suis pas trop allé dans le magasin en ce moment, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il existe dans de nombreuses couleurs. Et vraiment, il est pas mal. Donc vous avez ensuite celui-là, plus étoilé, plus New York, que j'aime vraiment. Et pour finir, une petite touche d'humour. Admettons que vous voulez quelque chose quand même de assez fantasy. Honnêtement, vous avez cela donc avec des motifs dinosaures, des motifs avions, des motifs chats. C'est un petit peu spécial, mais je trouve quand même que ça rend vraiment super bien. En tenue complète, il n'y a rien. On passe maintenant aux tenues bas, donc avec des shorts. C'est logique, nous sommes en été, les amis. Donc avec des shorts de différentes couleurs, comme vous pouvez voir. Donc on reste quand même dans une base de bleu. Sur celui-là, par contre. Hein. Après, sur les autres, on est sur du gris. Donc comme vous pouvez voir, vraiment, il est super bien fait. Je trouve qu'il sort super bien.
Et c'est à peu près tout parce que après nous avons des maillots. Voilà, donc là c'est des maillots téléchargés. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble en 4 thèmes différents. Et celui-là, donc il existe déjà, mais il existe donc dans des nouveaux motifs. Donc comme vous pouvez voir, ils sont vraiment super jolis, ils sont vraiment très design. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer concernant les coiffures, les accessoires, le maquillage et les vêtements pour vos Sims. En attendant, là, à ce moment même, vous pouvez déjà laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous retrouve maintenant pour les objets. Voilà, je vous retrouve maintenant pour la suite des objets, donc avec tous les objets que je vais vous présenter. Donc il y a des canapés, des lits, des objets de décoration et même des papiers peints. Donc j'espère que vous êtes prêts et on va commencer dès maintenant. Donc on va commencer par la base, donc on va commencer par la chambre. Donc avec ce lit qui existe en 4 couleurs, comme vous pouvez le voir, enfin 3 couleurs plus précisément. Hop. Plus précisément 3 couleurs, donc rouge, blanc et gris. Vraiment un lit super classe, comme vous pouvez voir, avec des motifs... Les motifs ronds, vraiment une rosace, je crois que ça s'appelle. C'est vraiment super sympa. Et comme vous pouvez voir sur ce lit, il y a des coussins. Donc bon, d'habitude on met pas tous ces coussins là sur un lit quand même. Mais voilà, donc ça c'est des coussins. Donc hop. Qui existent en 3 couleurs différentes comme vous pouvez voir. Ils sont vraiment super beaux. Ensuite vous avez ce tapis en peau de vache. Donc un petit peu spécial peut-être pour certains, mais que je trouve quand même assez design. Vous avez ensuite cette bougie. Alors assez surpris quand même de trouver des objets comme ça sur internet. Vraiment super beau. Vraiment j'adore. Elle existe donc en, je vais vous dire tout de suite, 4 couleurs. Elle existe en beige, blanc crème et rouge marron. Donc un rouge très foncé, donc on va dire plus du marron. Donc voilà ces 4 couleurs, des couleurs que je trouve très 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 chaleureuses et qui sont quand même vraiment très 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 jolies. Vous avez ensuite cette petite lampe, donc je sais pas si je crois que je l'avais déjà montré dans un de mes guides de téléchargement précédent. Elle existe en 3 couleurs, blanc, noir et rouge, et elle est vraiment super classe. On va passer maintenant à tout ce qui est objet pour le salon, donc avec ces 2 canapés. Donc celui-là je crois vient de TLCR et celui-là vient du blog de Jump Sims. Donc vous voyez qu'il existe en différentes couleurs lui aussi. Donc il existe dans un marron foncé, un marron plutôt clair, un blanc et un blanc marron mais un petit peu plus foncé. Vous avez ensuite ce canapé et ce petit fauteuil. Donc honnêtement je trouve que ce canapé et ce fauteuil vont vraiment bien ensemble. Et comme vous pouvez voir en dessous, il y a ces 3 types de tapis, enfin c'est les mêmes mais dans 2 couleurs différentes. Donc vous avez en bleu, vous avez en violet, vert, rouge et jaune. Donc là j'ai mis en vert, en violet et en jaune, mais vraiment je trouve qu'il vraiment il est super joli. Vous avez ensuite cette petite boîte, donc c'est une petite living box, voilà, ils appellent ça comme ça en anglais. C'est vraiment joli, c'est un petit objet de décoration assez sympa. Une petite table de chevet que je trouve vraiment super jolie. Elle est plus pour la chambre, je trouve. Par exemple, regardez à côté de ce lit. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Ça, c'est 3 fauteuils. Enfin, c'est des poufs plus précisément, mais on va dire de luxe. Ils sont vraiment super jolis. J'aime bien la forme. En plus, ça brille un petit peu. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, là, alors on va parler des meubles et pas de la décoration fleurs. Donc les meubles, donc vous voyez, alors ça existe je crois en plusieurs couleurs mais je suis pas sûr, oui voilà, ça existe aussi en blanc et en noir plus foncé. Donc là j'avais mis le marron, comme vous pouvez voir il est assez brillant et je trouve quand même que ça sort pas mal. Niveau décoration, donc vous avez ça que je trouve vraiment super joli, je l'ai trouvé sur The Sims Ressources. Et pareil pour ces petits vases avec une fleur dedans. Alors ça existe aussi en version vase carré, vase triangulaire, vase ovale, voilà, c'est super joli et j'aime bien la petite fleur qu'il y a dessus, je trouve vraiment qu'elle est super bien faite. Vous avez ensuite ça, donc c'est plutôt un mur un petit peu coupé je pense. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser dans une prochaine construction de maison parce que, admettons vous avez un salon et une cuisine, ça peut faire par exemple une jolie séparation. Vous avez ensuite 3 tables basses, donc une table basse, celle-ci par exemple, qui est, je pense, plus faite pour le jardin. Celle-là qui est vraiment faite pour un intérieur et celle-là au-dessus, bon, peut-être pour les deux. Vous avez des objets de décoration dessus, donc des bougies je crois aussi,
qui existe en plusieurs couleurs. Donc vous avez une bougie en bleu et une bougie en rose, mais assez claire. Ensuite, vous avez ces deux petits objets. Donc, c'est des petits objets de décoration. Il y en a plein comme ça sur TSR. C'est en fait, c'était sous une forme de style. J'ai décidé d'en prendre un des 6 qu'il y avait. Si j'aurais voulu, j'aurais pu montrer les 6. Mais honnêtement, un, ça suffisait. Ils sont super jolis. Je pense que vous pourrez les trouver facilement sur The Sims Ressources. Une autre table, cette fois-ci, je pense, plus faite pour le pique-nique. Avec, comme vous pouvez voir, des objets de décoration. Non, ce n'est pas des objets faits par les Sims avec la gazinière. C'est des objets de décoration, donc une tasse en décoration, un petit plateau en décoration. D'ailleurs, ce plateau est juste top. Regardez, il est en différentes couleurs lui aussi. Et il est vraiment super joli. Là, je dirais que c'est plus un meuble télé que nous avons. Il est vraiment trop trop beau. Honnêtement, il est magnifique. Là, vous avez un bar. Et ici, c'est pour étendre le linge, donc je pense que ça peut être pas mal en été, sachant qu'en été, voilà, on met plus notre linge dehors que dedans, parce qu'en hiver, c'est pas possible. Et là, comme vous voyez, donc ça, vous pensez que c'est une armoire, mais non, c'est plus une décoration qui fait genre type armoire, que je trouve super sympa. Donc admettons, vous ne savez pas combien sur votre mur, vous mettez ça, et ça fait une très belle décoration. Comme vous pouvez voir, j'avais dit au début qu'il y aurait des papiers peints et c'est le cas, vous voyez. Donc c'est un seul papier peint, mais que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Quand j'ai pas de coup de cœur pour les papiers peints, je les prends pas tout simplement. Même par exemple, il y a peut-être un ou deux objets, je crois, là-dedans où j'ai pas eu vraiment le coup de cœur, mais que j'ai trouvé vraiment super sympa. Donc ce papier peint est... alors attendez, ça s'appelle Manuela Wallpaper. Donc du coup, j'ai peut-être fait... la ressemblance avec Magnolia Promenade dans les Sims 4 au travail. Donc la Magnolia, c'est une fleur. Voilà, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est une fleur. Donc je trouve qu'il est super joli. Donc comme vous pouvez voir, il existe en plusieurs couleurs. Il existe aussi en rose ou en gris. Vraiment, c'est super sympa. Ensuite, pour les cadres, j'ai vraiment trouvé de nombreuses choses. Donc j'ai trouvé ce cadre, donc un petit peu nature, île. Vraiment super sympa, qui m'a fait penser aux Sims 3, île de rêve. Vous avez aussi ces stickers que je pense que j'avais déjà montré dans un guide de téléchargement précédent, mais que j'ai trouvé vraiment sympathique. Vous avez ensuite ces cadres vraiment super beaux, ils sont très 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 bien faits comme vous pouvez voir. Ils sont juste magnifiques, ils sont juste magnifiques. Vraiment, ils sont top. Honnêtement, ils sont top. Donc il y a des fleurs, des papillons. Après, vous avez quelque chose de plus sobre. Vous avez, voilà, mais c'est des vraies images en plus, donc je trouve que c'est super bien fait. Une petite bibliothèque faite par Jump Sims, honnêtement je trouve qu'elle est super jolie. On voit quand même qu'il est fait 3D on va dire avec les livres et ça je trouve super bien. Pour finir vous avez ces deux petits posters, Butterfly, donc papillon. Vous avez aussi celui-là d'ailleurs, donc vraiment juste waouh. Hamilton pour une chambre gothique ou juste une chambre normale tout simplement. Je trouve que ça peut être vraiment pas mal de mettre ces petites affiches là, donc vous avez ces deux petites affiches donc avec les papillons violets et aussi avec le papillon rose en dessous. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo guide de téléchargement. N'oubliez pas, vous pourrez télécharger tout ça avec le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, votre avis en commentaire. Si vous avez des questions ou des problèmes aussi, n'hésitez pas aussi à donner d'autres idées pour de prochains guides de téléchargement. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.